Alors faites pas attention à ma tête. Pardon, je suis sublime, bien évidemment. Mes cheveux ne sont pas gras, je suis en train de faire poser un petit soin. Voilà. Aujourd'hui, je vais tester des produits coréens que m'a ramené ma copine que vous avez vue dans la vidéo Marc vs sous-Marc. Je vous remets ça juste là. C'était très drôle, même si la qualité visuelle n'était pas ouf. Elle a acheté ces trucs-là chez Kmart. Ah, mais tout ça, ouais, Kmart, c'est un supermarché coréen. Plus généralement asiatique parce qu'on ne trouve pas que des produits coréens de ce que j'ai pu comprendre. Peut-être que je me trompe. Bref. En tout cas, elle m'a ramené plein de petites choses. Des choses qu'elle avait goûtées, des choses qu'elle n'avait pas goûtées. Il y a des choses, on ne sait pas ce que c'est. Il faut savoir que j'aime beaucoup la cuisine asiatique, notamment vietnamienne et japonaise. Mais je ne connais pas vraiment les produits coréens à part une fois où j'ai mangé des larves. Comment vous dire? Ça avait un goût de noisette. Mais savoir que ce sont des larves, never again. Du coup, on va commencer tout de suite parce que nous sommes dimanche, il est 11h59 très précisément. J'ai faim. Voilà. Je vais commencer par les trucs secs parce qu'il y a aussi des ramen instantanés, ma fille. Dont un très 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 épicé que je vais goûter devant vous, peut-être décédé devant vous, qui mettra ma vidéo en ligne du coup. On commence tout de suite. Bien sûr, premier truc que je pioche, c'est les ramen. Ça a l'air bon. Ça, c'est pas ceux-là. Ceux-là, je les goûterai sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Je les goûterai très prochainement. Elle m'a dit que c'était très bon, un petit peu épicé. Alors après, on n'a pas du tout le même level de tolérance, elle et moi. Elle aime pas trop les trucs épicés. Moi, j'adore. Je suis toujours en train de dire, oui, il y a pas assez de piment. Oh, c'est pas assez pimenté. Du piment de Cayenne dans tous mes plats. Voilà. Alors aussi, dans le titre, vous aurez vu plus une pop tarte. C'était pas une dégustation coréenne, Kiro, normalement. Il faut savoir qu'on est parti à Nantes la dernière fois qu'elle est venue dans une épicerie, confiserie. Où ils vendaient plein de trucs. Elle a regardé toutes les choses où il n'y avait pas de gélatine de porc, tout simplement parce que elle n'en mange pas. Et elle prend les pop tarts en se disant que c'était safe. Non, il y a de la gélatine dedans. Donc, du coup, elle me les a laissées. C'est des pop tarts birthday cake, je crois. Et donc, je testerai ça à la fin de la vidéo. Donc là, on a ça, ce qui semble être des espèces de petits gâteaux apéritifs au poulet. Au poulet, vous voyez, ça a l'air d'être au poulet. Vous savez, poulet un peu laqué. Il y a un queso soja mélangé, ketchup de tomate, poivre rouge. Ah, ça a peut-être été un peu piquant. On adore. Bon, après, il y a du paprika. Voilà, ça doit être tous des trucs qui arrachent la gueule. On va tester. Comment ça sent bon? C'est marrant, ça sent un peu les trucs au bacon. Ouais. Ça se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Des petits tubes comme ça. Ça sent hyper fort. Ça a l'air d'être hyper assaisonné, quoi. C'est sucré. En fait, c'est sucré, mais c'est... Ah, si, c'est épicé. Pardon. Le retour de flamme. C'est pas extrêmement épicé, mais tu... Ah, on le sent bien. Non, franchement, ça... Je sais pas comment vous dire. Ça arrache la gueule, en fait. C'est très très bon. Au début, vous avez l'impression de croquer dans un petit gâteau apéro un peu normal. Ensuite, c'est hyper sucré. Et après, ça vous arrache le fond de la gorge. On apprécie. Tout ce qu'on apprécie. Hop. Alors ça, je pourrais pas vous le montrer tout de suite, mais c'est des épices à onigiri. Je vous mettrai une petite photo là de ce que c'est. J'adore en faire, donc je suis trop trop contente parce que je sais jamais vraiment quoi mettre dedans. Et vous voyez, il y a ça dedans, la espèce de la cébette. Et j'en trouve jamais, en fait. C'est un espèce d'oignon un peu, vous voyez. Et oh, ça... bon, par contre, toutes les instructions sont en japonais. Heureusement que je sais déjà faire des onigiri. Oh, mais ça va être bon. J'ai trop hâte. Ensuite, il y a ceci, des chips à la sauce yakitori. Comment vous dire que je suis accro aux chips un peu particulières, vous voyez, avec plein de goûts particuliers et tout. Et notamment celle de la marque Bretz, parce qu'on est chauvin, parce qu'on est chauvine, parce que c'est breton. Mais pas que. Vraiment, la marque Bretz, si vous connaissez pas, il faut goûter. Ça a le goût vraiment de ce qui est sur le paquet. C'est pas fait. J'ai goûté mozza, pesto, camembert. Moi, surtout les trucs au fromage.
évidemment. Mais j'ai goûté aussi ceux au yakitori et ils sont extrêmement doux. Donc j'espère que ça vaut le coup. Ouais, déjà ça sent pas. Ça sent les chips nature. En vrai, c'est des chips, hein, normal. Alors, j'ai la bouche un peu anesthésiée d'autres trucs. Ça a un léger goût. Léger goût de yakitori, là, de sauce yakitori. Non, pardon, teriyaki. Rien à voir. Tout à l'heure, je dis yakitori, mais c'est pas ça. Teriyaki. Il y a marqué que c'est genre premium, machin, je sais pas quoi. Original premium Japanese. Donc déjà, on n'est pas sûr du coréen, vous voyez. Ça vend pas que des choses coréennes. C'est bon, je vais les manger, vous voyez. Mais ça vaut pas celle de chez Brett. Vraiment, celle-ci était plus forte en goût. Peut-être qu'il y en a qui sont mieux faites. Mais la qualité de la chips en elle-même, attendez. Regardez. Chips banales, fines, mais pas succulentes, vous voyez. Chez Brett, d'ailleurs, Brett, si vous voulez me sponsoriser, envoyez-moi tous vos chips, je les goûte toutes. Franchement, n'hésitez pas à mentionner Brett sur cette vidéo parce que je suis prête à goûter tous les parfums qu'ils ont. Vraiment tous, sans exception, sauf s'ils en font à la fraise. Sorry les gars, je pense pas. Mais envoyez-moi. Je vais goûter tout. Et vraiment, elles sont meilleures et la qualité de la chips en elle-même est plus croustillante. Et c'est plus épais, ça se rapproche fort d'une Pringles, vous voyez, dans l'épaisseur. Mais il y a toutes les petites chips pliées, tout ça. Les chips pliées, ma vie. Bref. Pas ouf pour celui-ci. Alors ça, c'est des pop-corn. Des petits pop-corn. J'adore les paquets. Les paquets longs comme ça, je sais pas. J'aime bien le packaging. Ça a l'air d'être... On dirait des morceaux de poulet, mais si c'est des pop-corn au poulet, ça serait la vie, quoi. Mais attends, qu'est-ce qu'ils disent dedans? Ah, c'est ça. Sauce au poulet gandion, je sais pas si je prononce bien, avec du jus d'ananas concentré, du bouillon de poulet. Ah ouais, donc c'est ça, c'est des pop-corn au poulet. Alors les pop-corn ma vie, les pop-corn au poulet, ça va être ma vie aussi parce que j'adore le poulet. Franchement, j'ai secrètement le désir que ça goûte le KFC, mais bon, ouais, ça sent comme l'autre truc au poulet. Ouais. Par contre, ils ont l'air trop incroyables. On dirait des miel pops. C'est archi bon. La texture. La texture. Texture addictive. Franchement, ça ressemble à des miel pops en plus compact. C'est sucré. Je dirais pas que ça a un goût de poulet. Mais ça a définitivement un goût de sauce qui va avec le poulet. C'est pas piquant du tout. C'est très sucré. Beaucoup plus sucré encore que l'autre truc d'avant. Mais waouh! On met ça dans des petites salades. Ça, réduit en poudre. Et pané sur un poulet. C'est trop bien. Mais ça, en plus... Graines de sésame sautées et sel de mer grillée. En fait, le truc regroupe tout ce que j'aime dans la vie. Manque plus que tu puisses le tremper dans du fromage, c'est bon. Ça, c'est archi, archi validé. Alors, on a encore des pop-corn. À croire, je mange que ça. Il y a un petit arc-en-ciel, tout ça. Je sais pas si... Il n'y a pas les ingrédients, mais c'est des sachets individuels. Ça sent le plastique. Ah, ça sent grave le plastique. Mais genre... Le plastique chimique. Le plastique chimique. C'est pas naturel, le plastique, mais vous m'avez compris. C'est bizarre. Est-ce qu'on a les ingrédients quelque part? Il y a un petit dessin derrière. Voilà, je ne sais pas si le focus se sera fait. Je ne sais absolument pas à quoi c'est. Du coup, il n'y a pas d'habitude, il y a une étiquette rajoutée en français. Ah si, elle est là, pardon. Ah, c'est des pop-corn de riz, sucre et miel, sauce au soja. Bon, du lait condensé en poudre. Ah, du calcium de coquille. Qu'est-ce que du calcium de coquille? Colorant de caramel et paprika. Ah, donc c'est des pop-corn au caramel, mais au riz.
sûrement une sorte de riz soufflé. Je suis la petite indication de comment l'ouvrir. Ouais, bah j'aurais préféré l'ouvrir mieux que ça. Je suis pas douée. Mmh. Ah, par contre, dedans, ça sent extrêmement bon. Oh, ça sent vraiment la sauce soja. Alors ceux-là, ils vont être, ça se voit, ils sont encore plus croustillants. Parce que les autres, ils étaient pas... Ils étaient croustillants, mais c'est pas pareil. Oh, ça se voit que c'est croustillant. Ah, par contre, le goût un peu... Pas décevant. Non, c'est pas décevant, parce que je pense que je vais les détruire. Non, c'est bien le soufflé. Là, il n'y a pas de sucre. Pourtant, il y a du sucre dans la recette, hein, comme quoi. Mais c'est salé. C'est salé. Mmh, ça ressemble à quelque chose que je connais. Bah, en fait, ça ressemble un peu à des ramen. Crus. Bah, franchement, archi bon. Archi bon. Je viens de voir sur le paquet de chips qu'elles étaient faites en Belgique. Les chips japonaises. C'est pas de l'importation, du coup. Mmh. Je vous dis que c'est pas incroyable, en fait. J'ai dégommé le paquet. Mmh. Il me reste trois choses. Le pop tart, que je vais aller faire après. Parce que ça se fait au four ou au grille-pain. Mais j'ai pas confiance de mettre quelque chose qui peut fondre dans un grille-pain. Vous voyez, c'est... Pourtant, c'est comme ça que ça se fait. Mais bon, ou au four. J'ai des pokies. Ça existe, mais dans plein de trucs. Donc là, elle m'a pris chocolat, je crois. Hein. Je crois que c'est chocolat tout simple. C'est des Mikado. Mais je voulais quand même goûter, voir si ça avait un truc de différent. Le packaging est archi mignon. Voilà. Ça existe vraiment à n'importe quoi. Donc, thé matcha. Moi, perso, je déteste. Il y a aux fruits, à la pêche. Ça me semble bien. Mais par contre, je crois que c'est chocolat blanc. Donc, moi, le chocolat blanc, j'aime pas. Mais voilà, je vais goûter ça après parce que je voudrais prendre le ramen avant. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que. Je crois que c'est celui-là, hein. Hot chicken. À tout prix au poulet, elle est trop mignonne. Black beans sauce, donc sauce aux haricots noirs. Je sais pas du tout si je vais aimer. C'est à skip, c'est épicé sa mère. Donc je vais aller faire ça. Et je reviens. A few moments later. Bon, finalement, je me suis dit que j'allais goûter les pokies pendant que l'eau bout. En fait, c'est pas tout à fait une soupe. Il faut les faire bouillir, enfin mettre les pâtes dans l'eau bouillante et ensuite vider l'eau et faut laisser un petit fond et mettre ensuite la sauce liquide qui est avec et puis il y a des petites herbes et faire sauter ensuite. Oh, c'est des tout petits paquets comme ça, regardez. Oui, j'ai déjà passion des petits trucs open là. Bon. Ah, celle-ci elle est bien comme ouverture. Ils sont tout fins. J'ai l'impression qu'ils sont plus fins que les Mikado normaux. Enfin, les Mikado, le truc qu'on a chez nous, quoi. Mais en fait, je me rends compte que je prends les doubles avec le chocolat autour et quoi. Mmh. Mmh. J'ai du Mikado. Un peu moins... Un peu moins goûtu, je trouve. C'est bon, hein. Parce que vous voyez, je vais les enchaîner. Mais, je sais pas. Mmh. Ouais. Voilà. Ok, bon, j'ai que ça comme bol. Donc, voilà, j'ai pas de bol adéquat. Je pense qu'il y a un peu trop d'eau. Ça sent bon. La sauce qui va dedans, elle était extrêmement épaisse. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il fallait laisser un peu d'eau. Pour que ça se dilue. Et le petit sachet, c'est des petits légumes déshydratés. Donc là, je vois que ça s'est réhydraté. Il y avait petits pois, carottes et je sais pas quoi. J'ai des petites baguettes. Toujours frotter ces baguettes pour enlever les petites écharpes. Voilà, c'est une petite technique. Par contre, je pense que c'est trop chaud. Il paraît qu'il faut les manger extrêmement brûlantes. Je tiens à mon palais. Oh, si on m'avait dit que j'allais bouffer des nouilles devant vous. Alors, je vais probablement très mal les manger, c'est-à-dire, je vais les couper avec mes dents. Je sais que ça se fait pas, normalement, on va faire... Mais, je ne me sens pas. Vous l'avez vu, hein. J'ai mis ça de langue. Ça a touché ma lèvre, là.
J'ai fait préchauffer le four pour la pop tarte. Je suis en train de me dire, je crois que je vais aller la faire, la goûter. Bah, je n'ai plus de palais après ça. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Je la laisse refroidir et je vais chercher la pop tarte. Donc, j'ai fait cuire la pop tarte. Oui, elle est sur un sopalin parce que c'est chaud. Donc, tout est chaud en fait. Ça va être compliqué. Bref, ça sent le chocolat chimique. On se doutait, il n'y a pas que des bonnes choses dans les pop tarts. Maintenant, petit glaçage, ambiance gâteau d'anniversaire, donc birthday cake. J'ai jamais mangé ça de ma vie et en Amérique du Nord, c'est vraiment genre un truc, on dirait c'est normal, quoi, tu manges pas de pop tarts, hein, ouais. Et nous, on n'a pas ça, donc c'est vraiment. On va voir. Ouais. Je sais pas si c'est il y a un feeling ou pas dedans. C'est rempli avec la même crème que le dessus. Je comprends que ça soit apprécié. Mais celui-là, c'est un genre des plus courants, des plus basic batch. Et je trouve pas ça extraordinaire. Ah, après, le bailleur veut pas manger. Mais moi, c'est le genre de truc qui resterait dans mes placards et que je mangerais parce qu'il reste plus que ça, quoi. C'est un peu sec en fait. Faut boire beaucoup d'eau, je pense, après. Mais c'est pas mauvais. Attention, c'est pas mauvais. Mais je pense qu'il y a d'autres goûts qui me feraient plus plaisir, du genre peut-être beurre de cacahuète ou des trucs comme ça. Après, ça va être mangé, hein. Vous en faites pas, j'ai une petite glace à la pistache qui va extrêmement bien aller avec ça. Si ça se trouve, il y a des gens d'Amérique du Nord qui vont regarder ma vidéo et vont se dire « What the fuck are you doing, girl ?» Mais avec de la glace, je pense que ça peut être bien. Mais je suis très contente d'avoir goûté ça parce que je pense pas que j'en aurais acheté de moi-même. À moins, vous me direz en commentaire si vous voulez que je teste d'autres choses parce que il y a des sites exprès où on peut faire de l'importation et tout ça, des trucs américains, des trucs japonais, etc. Et j'ai vraiment envie de faire ce genre de trucs de temps en temps sur ma chaîne. Pas tout le temps, je veux pas que ça soit récurrent. Déjà là, ça va faire 2 vidéos nourriture. On va se calmer un peu. Mais pourquoi pas? Dites-moi. Bon, je m'approche pour peut-être essayer de pas trop me salir. Il faut savoir que les nouilles là. Je sais pas si vous me voyez, en fait. Les nouilles, elles sont pas de la même texture que les ramen, nous, qu'on peut avoir. Je sais même pas si ça s'appelle les ramen, du coup. J'en sais rien. Je croque toujours un bout de ramen pas cuite. Et c'est croustillant et tout. Là, c'était dur à l'extérieur. Enfin, tu sens que tu peux croquer dedans. Et à l'intérieur, c'était un peu mou. Très chelou. Bon, c'est parti. Je vous cache pas que j'ai peur parce que. Ça a l'air de piquer de ouf. J'aime beaucoup les trucs épicés de base. J'aime vraiment beaucoup ça, mais. Non, ça arrache la gueule. Non. Ah! Sincèrement, je sens les pâtes couler le long de mon œsophage. J'allais dire, je peux pas vous dire si c'est bon. Si, c'est bon. Il y a des saveurs, vous voyez? Ça arrache la gueule. Ça arrache la gueule. Je crois qu'il y a des petits morceaux. Alors, c'est censé être au poulet, mais ça ressemble à du bœuf. Donc, je sais pas. Déshydraté. Mais comment on peut manger ça pour le plaisir? Je vais manger tout, hein. Je suis pas sûre. En vrai, je suis pas sûre. J'ai envie de les rincer. Ça serait bizarre si je les rinçais et qu'après je les mange. Alors. Gros finesse. Je suis résistante, hein, au piment. Mais là, c'est juste que c'est un piment pas savoureux. Vous voyez? C'est bon. C'est bon, il y a le truc haricot noir. Moi, je suis pas trop fan d'haricots. Vraiment pas tout ce qui est haricot blanc, haricot. Enfin, les trucs haricots secs. C'est pas trop mon truc.
Et je sais qu'il y a beaucoup de pays asiatiques où il y en a même dans la pâtisserie, genre des haricots rouges et tout au Japon, dans les mochis et tout ça. Comment dire? C'est pas mauvais, du coup ça donne vachement de corps à la sauce. J'aimerais trop avoir un micro et vous faire de l'ASMR là tout de suite parce que le bruit est incroyable. Mais faut qu'il y ait d'autres choses, faut mettre des choses dedans quoi. Moi j'avais prévu d'acheter de la viande, faut que je fasse cuire d'ailleurs, ça va prendre 12 ans, mais bon bref, j'aurais dû le faire cuire avant. Ça pique. Vous l'aurez compris, ça pique de ouf. C'est... Non, c'est bon. Je vais reprendre une petite bouchée. Allez, pour le plaisir. Il y en a un, là où il y en a moins. La texture des pâtes, ça ressemble à des soba. C'est un peu plus... Ça se tient mieux que certains ramen qu'on peut avoir, nous, qui sont très très fins et tout ça. Non, en vrai, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Là, c'est un vrai goût d'haricot, par contre. Moyen. Enfin... Comme de la poudre d'haricot, pourtant c'était pas du tout poudreux, hein. C'était vraiment de la gélatine, un peu, j'aurais dû vous montrer. Mais c'est pas mauvais, mais je vais pas en manger tous les jours. J'espère que l'autre là, celui-là, normalement il est moins épicé. Et celui-là il est à quoi? Aux légumes, je crois. Voilà, c'est épicé, je peux rien vous dire d'autre. Voilà, je l'ai goûté pour pas que vous ayez à goûter. C'est pas... Ah, il y a des gros petits pois. Mais ouais, non, c'est bon, mais un chouï moins de piment, c'était ok parce que, vous voyez, il y a plein de plats pimentés où ça décuple les autres saveurs. C'est pas le cas, là, tu sens le piment, ma langue, elle est anesthésiée, point. Donc voilà pour cette vidéo. Le produit qui m'a le plus déçu, franchement, c'est celui-là. Parce que j'ai déjà fait assez de pubs pour Bretz, mais Bretz, meilleur. Et Spence. Et je pense que ceux que j'ai aimés le plus, je voulais vous dire ceux-là au début, là, sauce poulet, je sais pas quoi, les tout premiers. Mais en fait, non, j'en ai remangé entre-temps de ceux-là. Pendant que je faisais les nouilles. Et vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Et heureusement, j'en ai pas qu'un paquet. Parce que je vais défoncer ça. Je vais peut-être en mettre dedans. Oui. Très bonne idée. Mon repas en même temps, mais ouais, franchement, ceux-là je les recommande. C'est bien, du coup, j'ai plusieurs paquets. Les pokis, pas ouf, mais bon, je m'en doutais un peu, c'est basique, basique. Et ça, bah, c'est pas décevant parce que je savais que ça allait être piquant. On s'arrache la gueule et je trouve qu'on passe pas un bon moment. En tout cas, si ce type de vidéo vous plaît, bien sûr, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on me le dit en commentaire. Et sur ce, à la prochaine.